dois longtemps, longtemps me taire, zoner tout devant, tout derrière, pour frissonner, pour ressentir, pour avoir quelque chose à dire. Mon ami, j'ai rien à t'offrir que ce silence qui te fera fuir, ou cette parole surchargée qui ne sait plus où se percher. Plus tu demandes, plus tu insistes, plus je me planque, plus je résiste. Et je peux lire dans tes yeux que tu te souviens pourquoi on se voit si peu. T'avais oublié, ça te revient, je suis un vieillard, je suis un gamin. Je bois de l'eau, j'ai pas de scoop, et quand on s'approche trop, je coupe. Tu me dis que tout se danse, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tout se danse, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Bonjour à tous, petit moment qu'on s'est pas vu. Et je reviens avec un petit tuto d'une chanson un peu plus actuelle, Noé Presso, avec un W. Une chanson pas très compliquée, somme toute, que j'ai transposée pour supprimer certains barrés, comme le fa dièse par exemple. Pour faire ça en do, il y aura quand même un fa. Pour les débutants, je sais que le fa est toujours source de problèmes quand on veut le faire en barré. Donc vous pouvez le faire comme je vous l'ai déjà montré sur d'autres chansons. Hein, je vous le remontre une fois encore avec le petit schéma qui s'affiche. Et sur ma main droite, la manière de le jouer par exemple. Sachant que dans ce cas-là, vous ne pouvez jouer que 4 cordes. Ce qui fait que la basse, soit vous l'actionnez avec votre pouce, soit vous êtes obligé de prendre la corde de Ré pour faire en guise de basse. Voilà, je referme la parenthèse du Fa. Et c'est surtout la rythmique qui risque de poser problème, même si elle n'est pas très compliquée. Pas trop de blabla, on y va tout de suite. La rythmique. Comme je vous l'ai dit, je suis en Do. Si je fais ma rythmique basique pour les débutants, je pourrais me contenter de faire basse aiguë. Ça, on l'a déjà vu de nombreuses fois. Ça marche. Je dois longtemps, longtemps me taire, zoner tout devant, tout derrière. Vous voyez, ça fonctionne. Mais bon, c'est pas très beau. Du coup, les débutants, vous pourrez toujours faire ceci, en suivant les accords qui s'afficheront. Et on va voir pour les autres, et pour ceux qui veulent essayer, une rythmique un peu plus complexe. Ils devraient donner ça. La difficulté, vous l'aurez compris, c'est ce petit étouffé que je place au milieu. Si je ne fais pas l'étouffé, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et qui fait basse, haut, bas, haut, basse, haut, bas, haut, basse. Là aussi, sans l'étouffer, ça fonctionne. Je dois longtemps, longtemps me taire, zoner tout devant, tout derrière. La difficulté également, ça va être d'attraper la bonne basse en changeant d'accord. L'étouffer. L'étouffer, je n'en ai qu'un sur un bas. Basse, haut, étouffé. Comment j'étouffe? Il y a plusieurs façons d'étouffer. Personnellement, pour ce style rythmique, je vais étouffer exclusivement avec ma main gauche. C'est pas parfait comme étouffé, mais ça fonctionne. Alors, basse, haut, je décolle très légèrement mes doigts du manche, côté gauche. Je vais coucher un petit peu mes doigts de manière à ce que toutes les cordes à partir de la note Do soient touchées pour qu'elles ne sonnent pas. Et tout de suite après, je reviens en position pour le haut. Donc jusque-là, ça me donne basse, haut, bas. Facile à faire, je le conçois. Vous pourriez, avec votre main droite, obtenir un résultat somme toute équivalent en faisant basse, haut, bas. C'est-à-dire que, en même temps que je joue ma note, quand j'arrive en bas, je pose ma main. Ça fonctionne.
on pourrait faire ça avec des chocs sur les cordes en faisant... Moi, pour cette chanson, je vais travailler avec mon médiator et les étouffer main gauche. À vous de voir ce qui vous arrange le plus. L'intro. Il ne vous aura pas échappé que dans cette chanson, il y a peu de guitare ou pas du tout. Du coup, l'intro, elle se fait normalement au clavier. Nous, on va la faire à la guitare. Je vais commencer par jouer les deux notes qui sont présentes dans l'accord de Do majeur. J'ai oublié de préciser que je me suis mis capo 2. Du coup, effectivement, ce n'est pas un vrai Do majeur. Mais peu importe, hein, faisons comme si. Donc, je vais prendre la note Mi et Do de l'accord de Do majeur pour faire la petite intro qui va faire... Basse. Et je recommence en jouant la difficulté la deuxième fois, donc c'est d'attraper les bonnes basses en faisant notre petite rythmique. Encore une fois, 3, 4 et... Va. Voilà. À mon sens, vous n'êtes pas obligé de la faire, cette petite intro. Vous pourriez faire deux mesures en Do, tout simplement. À vous de voir. La suite. Il va falloir conserver ce rythme tout le long de la chanson, sauf éventuellement pour les petits refrains où on pourra faire des petites variantes plus simples. Alors, les accords vont s'afficher, on va essayer d'y aller doucement ensemble, et vous allez voir, ça fonctionne à vitesse très réduite. Pour les débutants, je vous rappelle que vous avez la possibilité de faire basse, aiguë, basse, aiguë. À vous de voir. 3, 4 et 1, 2... 3, 4, basse de la mineure, 1, 2, 3, redo et 1, 2, 3, la mineure, basse et 1, 2, 3, fa et 1, 2, 3, sol et 1, 2, 3, 4, Do, 1, 2, 3, 4, La mineure, 1, 2, 3, 4, le Do et 1, 2, 3 et 4. Voilà pour le couplet. Tous les couplets sont les mêmes. Du coup, on ne va pas détailler les paroles sur l'ensemble de la chanson, mais uniquement sur le premier couplet, puisque les autres, les placements des paroles, est très, très, sensiblement le même. Donc, faisons fi pour l'instant du petit étouffé, et on va essayer de placer les paroles où il faut, juste avec la rythmique basique, ou semi-basique, qui va faire juste basse, au bas, au basse, au bas, au basse. Je ne peux pas attaquer sur la basse directement, ça sera sur le premier aigu. Ici, ce qui me fait... Je dois longtemps, longtemps me taire. On y va ensemble et on ne s'arrête pas jusqu'à la fin du couplet. Tout doucement. 3, 4 et... Attention, on y va. Je dois longtemps, longtemps me taire, zoner tout devant, tout derrière, pour frissonner, pour ressentir, pour avoir quelque chose à dire. Mon ami, j'ai rien à t'offrir, que ce silence qui te fera fuir, cette parole surchargée qui ne sait plus où se percher. Plus tu demandes, plus tu insistes, plus je me planque, plus je résiste. Et je peux lire dans tes yeux, de quoi on se voit si peu. T'avais oublié, ça te revient. Je
suis un vieillard, je suis un gamin. Je bois de l'eau, j'ai pas de scoop. Et quand on s'approche trop, je coupe. Deux et basse. On attaquera le refrain sur après ça. La même chose en faisant la petite intro et les étouffées maintenant qu'on sait placer le chant. 3, 4 et... Je dois longtemps, longtemps me taire, zoner tout devant, tout derrière. Pour frissonner, pour ressentir, pour avoir quelque chose à dire. Mon ami, j'ai rien à t'offrir que ce silence qui te fera fuir, ou cette parole surchargée qui ne sait plus où se percher. Plus tu demandes, plus tu insistes, plus je me planque, plus je résiste. Et je peux lire dans tes yeux que tu te souviens pourquoi on se voit si peu. T'avais oublié, ça te revient. Je suis un vieillard, je suis un gamin. Je bois de l'eau, j'ai pas de scoop. Et quand on s'approche trop, je coupe. Deux, stop. Voilà pour le couplet. Le refrain, je vous propose deux solutions. Le premier, c'est de le faire juste avec des petits accords plaqués bien déroulés. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. On va reprendre la base rythmique sur le gens, sur l'état d'urgence, basse, l'état d'urgence. Et on attaque le couplet suivant à ce moment-là. Pour ce fameux refrain, la première fois, il n'y est qu'une fois, la seconde, deux fois, et puis par la suite, on n'a plus que des refrains. Du coup, peut-être que on pourrait ce refrain, la seconde fois, le faire différemment. Donc, je vais vous le faire deux fois le même, peu importe, après vous reporterez les paroles, avec deux manières différentes de l'envisager. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Tu me dis que tous dansent, même la gêne. Sur la fin, comme on n'a que des refrains, vous pouvez reprendre la rythmique. Comment je fais cette petite histoire? Sur le placement, tu me dis que tous dansent. Là où je plaquais un accord, tu me dis que tous dansent. Sur ce danse, je vais jouer 4 notes. 3 vers le bas et un petit haut. Ce qui me fait danse. Même la gêne, même la haine, même l'errance. Pas de difficulté majeure pour faire ça. Je vous propose maintenant de faire donc intro, couplet, refrain, avec les deux systèmes de refrain mélangés pour que vous puissiez, vous après, vous l'approprier et le faire à votre manière. Vitesse lente, intro. 3, 4 et... Je dois longtemps, longtemps me taire, zoner tout devant, tout derrière, pour frissonner, pour ressentir, pour avoir quelque chose à dire. Mon ami, j'ai rien à t'offrir que ce silence qui te fera fuir, ou cette parole surchargée
qui ne sait plus où se percher. Plus tu demandes, plus tu insistes, plus je me planque, plus je résiste. Et je peux lire dans tes yeux, tu te souviens pourquoi on se voit peu. T'avais oublié, ça te revient. Je suis un vieillard, je suis un gamin. Je bois de l'eau, j'ai pas de scoop. Et quand on s'approche trop, je coupe. Tu me dis que tout danse, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Je dois longtemps, longtemps. Voilà. Un tuto somme toute assez court parce que pas très très compliqué. J'espère que vous allez faire une belle chanson et je vous dis à bientôt.